je me trouve dans le quartier abandonné de Santa Maria de Buil, qui, comme je pouvais me l'attendre, est totalement détruit. Cette maison, je pense que ça doit être la mieux conservée, et il n'y a que l'étage du bas qui est visitable. Et le toit est dehors, vraiment, regardez. Il a deux doigts de s'effondrer. Regardez. Et elle est hyper haute, regardez jusqu'où ça va. C'était vraiment une grosse maison. Après Santa Maria de Buil, je suis en direction d'un village qu'on appelle Silveth, un tout petit village, pareil que la Capana, avec 2-3 maisons et une église. Sauf que, ben, comme vous voyez le temps, j'ai entendu les orages, donc moyen. Le temps, et ça s'annonce très moyen. Et le problème de ce village aussi, c'est un ancien village de fortification. Et qu'en fait, il se situe tout en haut et que je sais absolument pas comment on y va. Bon, je viens de trouver le chemin, mais le problème c'est que là il y a un orage toutes les minutes, ça se rapproche de plus en plus, donc j'ai pas envie de me retrouver là-haut avec les éclairs qui me tombent dessus. Ça m'est déjà arrivé une fois et j'ai pas trop rigolé, donc je vais faire demi-tour. J'ai pas envie de décéder totalement foudroyé. Il y a un éclair qui vient de foudroyer la montagne juste là, enfin qui est passé juste au-dessus de la montagne, et il commence à pleuvoir. Donc j'ai peut-être bien fait de pas y aller finalement. En demandant dans le village, où je dormais, à un papy, un grand-père, j'ai réussi à obtenir, après moult péripéties et incompréhensions, les clés de l'église. Bueno, ya vuelvo a fe. Allez, on va voir ça. On voit qu'elle a clairement été rénovée. Par contre, le plafond est magnifique et les peintures, encore une fois, c'est vraiment des peintures qu'on n'a pas en France. Regardez, alors là, j'ai trouvé. Je suppose que c'est le nom de celui qui a fait la peinture. Alors, le nom, je ne vois pas, il y a marqué 8847, si je dis pas de bêtises. Regardez, c'est génial, on voit vraiment les traits, les coups qui ont été mis pour peindre. Me voici donc au niveau du clocher. Ça, c'est incroyable. La vue d'ici est juste magnifique. On a la vue sur toutes les Pyrénées, le Mont Perdu. C'est l'heure du retour. Donc, comme je l'ai dit, je vais essayer de passer par un petit village et puis ensuite, c'est fini. La chose rigolote, c'est de trouver ceci. Dans une église, on trouve devant pas mal de portes, mais dans une église, j'avais jamais vu. Et ça fait tout simplement penser à un phallus, hein, vu que c'est censé représenter un phallus. Et ça apporte normalement la fécondité, la fertilité dans la maison où elle est. Mais bon, dans une église, je n'en avais jamais entendu ni vu. Voilà. Oh non, pas des ronces. Non. Oh, la maison est ouf. Est juste ouf, quoi. Ah ouais, ben, pour la visite de l'intérieur, c'est un peu foutu. Par contre, là, il y
il reste vraiment plus rien quoi. Regardez. Là, j'ai pas envie de regarder l'escalier. C'est même pas que j'ai pas envie de vivre. Tu vois, c'est que je peux pas. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est triste. C'est triste que ce soit détruit comme ça. Là, il reste plus rien du tout. Juste un peu le haut du clocher là. Et là-bas, on aperçoit ce qui reste, mais pff, ça a été totalement détruit. Ouais, bon. Alors de l'extérieur, on dirait que la maison est en bon état, mais... À l'intérieur, on se rend compte que... Elle est assez délabrée. C'est très très sombre. Je vois pas trop où je mets les pieds. L'escalier est magnifique, hein, mais bon, vous voyez avec ce qu'il y a sur le sol. Regardez la tronche de l'escalier, quoi. Et voilà. C'est bien ce que je craignais, l'étage est complètement cassé et là il n'y a même plus de toit. En fait, le problème c'est que dès que le toit est cassé, il y a l'eau qui s'infiltre quoi. Beaucoup plus récent que ce qu'on a visité. Je vais me renseigner sur le net quand je rentrerai. Finalement, j'ai pris la route qui va vers Canfranc pour découvrir un nouveau village qui s'appelle Alouer. Mais le problème, c'est qu'il est vraiment très proche de la ville. Et d'habitude, je me sens très à l'aise. Mais là, il n'y a pas grand-chose. Mais on sent que ça a été squatté et qu'il pourrait très facilement y avoir des gens. Donc je ne me sens pas forcément très à l'aise dedans. Ce que je pensais prendre, j'ai pris la route en direction de Canfranc. Alors de l'extérieur, on dirait que la maison est en bon état, mais... À l'intérieur, on se rend compte que j'ai dû sortir de là parce que je me sens vraiment pas à l'aise dedans, donc je vais sortir de là. Même si ce n'était probablement que le vent qui a dû faire claquer une porte située juste au-dessus de ma tête, cet endroit ne m'inspirait de toute façon pas confiance et j'ai donc préféré partir, ce qui met un terme à cette vidéo. Ce voyage a été une vraie révélation pour moi. Un long travail de cartographie et pas mal de chance m'ont permis de découvrir avec vous des endroits magnifiques et étonnants et j'espère pouvoir y retourner le plus vite possible. Je te remercie aussi à toi qui regardes cette vidéo et je t'invite évidemment à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est situé juste en dessous, également à laisser un commentaire pour des conseils ou des critiques ou encore à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous si tu as aimé. Enfin, je laisse dans la description un lien vers mon site internet si tu veux en savoir un peu plus. Merci et à bientôt.